Je m'appelle Hélène Ture, artiste peintre en décor de Paris. Je réalise des fresques murales, mais aussi sur des grandes toiles, du décor classique en allant au surréalisme, mais aussi plus engagé pour la libération animale. Réalisée en trompe-l'œil, Istanbul Ottoman fait 2 mètres sur 2 mètres. Elle a été exposée à Istanbul. C'est vraiment un décor classique où j'ai mis pratiquement 8 mois à réaliser. Les décors sont de la céramique, vase d'Iznik, le sol de Gaziantep, ainsi que les tissus, sont des pièces uniques de musée que j'ai reproduites à l'identique. Vers l'âge de 9 ans, j'ai commencé à réaliser d'où venait vraiment la viande, ce qu'on faisait subir aux animaux, le massacre notamment dans les abattoirs, et dont j'ai arrêté immédiatement la consommation, ainsi que le poisson. Pratiquement en même temps, j'ai commencé à dessiner et à peindre. Il y a ce lien mystérieux qui a fait que je devais peindre ce qui se passait réellement, ce que je voyais dans, je ne vais pas dire dans mes rêves, mais dans mes cauchemars. Et il fallait mettre ça sur une toile pour que vos yeux comprennent dans l'immédiat le sens d'un message qui serait trop long à parler ou à écrire. Voyage dans le temps. Au-delà du temps, contempler de là-haut les berceaux de la civilisation humaine, ces monuments historiques entre ciel et terre. Les saisons emportées dans un sablier par un maître de la sagesse et de longévité. Un bélier assis dans un coquillage, portant un astrolabe. Les pyramides d'Égypte s'ouvrent pour une nouvelle ère. Devant Big Ben, Atlas porte la lune pour nos nuits. Bien au-dessus de la ligne de terre, l'espace accueille ces milliers d'étoiles existantes. J'ai appris à peindre en regardant le marbre. L'écriture du marbre, tout simplement. On voit les veines qui se cassent, qui se fissurent et qui transportent avec eux la mémoire de la terre. Ces fissures sont lisses, elles sont tracées comme si on traçait avec un pinceau très très fin. C'est pour ça que dans mes peintures, le plus souvent, ma peinture est lisse. C'est à force aussi de regarder les cailloux. Le palais des cartes. Au-dessus des nuages naviguent des cartes de jeu, de chance et de choix. Le chat mystique guide le magicien dans ce monde d'en haut. Tout est plus grand, la petite colombe arrête les aiguilles de sa montre. Le magicien surpris est suspendu hors du temps. Décor de marbre pour les colonnes en porte-or, de l'onyx pour le chapeau, d'où s'envole la colombe blanche. Elle porte en elle les quatre symboles. Cœur, sous son aile, pique sa patte, corps sur son front et trèfle. Dans son regard, les anges accompagnent cet univers riche de symboles magiques et surréalistes. Le rêve d'un palais magique. Elle a été exposée au musée Robert Houdin à Blois. C'est aussi un acharnement de travailler comme je le fais. J'en suis bien consciente. Je passe énormément d'heures dans mon atelier, que ce soit pour l'aspect décoratif, que ce soit pour l'aspect surréaliste, mais d'un autre côté, le côté plus engagé, militantisme. Mais les trois se rejoignent parce que je m'ennuierais, je pense. Une tortue portant toute la connaissance du monde, comme l'Atlas, l'astronomie, la mythologie, même l'art. Il y a un livre sur Darwin. Tout en haut, la pomme. La pomme parce qu'elle est représentative de la connaissance. Quand Adam a croqué dessus, peut-être qu'il a appris tout le savoir du monde. Je ne sais pas. La pomme est souvent représentée dans mes peintures. Elle se rejoint beaucoup à la nature, beaucoup à l'animal. Des décors en acajou sur le côté. La nébuleuse d'Hélix nous regarde évoluer. Sous un nouvel ordre mondial, celle de la libération animale. On le voit en tout petit là, animal. Le génie de la lampe verse les cartes de jeu, de chance et de choix. Tant que le mur de mon atelier le permet, je prends cette toile, je le fais, et puis après je le roule et je les entasse au-dessus d'une armoire. La plupart ne sont pas à vendre. Elles sont là pour être montrées et elles sont là pour que les personnes soient réceptives au message que je veux leur transmettre et sensibles à la cause aussi bien pour les animaux que pour l'environnement.
Ici, la toile des oubliés dénonce, par exemple, le massacre que fait les Japons aux dauphins, représenté ici avec un drapeau saignant pour le rouge. Ici, la Chine, pour les ailerons de requins. On coupe les ailerons de requins et on les relâche vivants comme ça dans la mer. Ils agonisent. Ici, le seul bateau, Sea Shepherd, qui essaye, tant bien que mal, de protéger tous les espèces vivantes de la Terre. Ici, je dénonce la Norvège et l'Islande pour le massacre à la baleine. On n'écoute que les grands de ce monde, les grands acteurs de ce monde qui sont véganes ou végétariens, qui luttent pour l'environnement. On n'entend pas parler des petits artistes qui essaient de faire des petites choses pour être reconnus. Il faut vraiment les rassembler. Il faut vraiment faire quelque chose ensemble et passer un message très très fort, car il est vraiment urgent d'agir. Je suis vraiment très très inquiet concernant la planète. Et c'est un message qui me brûle tous les matins quand je me lève, que je prends mon pinceau et je me dis, il faut que je peigne ça, il faut que je raconte ça. Il y en a, ils écrivent des livres, mais moi je les peins. Et c'est encore plus compliqué de les peindre. Parce que je ne sais pas comment peut être perçu l'œil du spectateur. 1 000 milliards d'êtres sensibles tués inutilement en 360 tours de terre. Une terre en forme de pomme, avec des animaux libres qui courent autour. Une idée simple, qui fait réfléchir à notre façon de consommer. Parfois je me dis, ça sert à rien ce que tu fais. Je peins pas pour l'argent. Je suis un artiste modeste. Mon métier c'est vraiment peintre en décor. Je fais du décor tout simple. Mais et ça me motive parce que quand je vois sur les réseaux sociaux les vidéos que je poste de mes œuvres quand je les réalise et je vois l'impact que ça a, je suis contente parce que je me dis j'ai vraiment transmis le message. Thank you.